Si vous regardez ça, c'est que je suis mort. Je sais que c'est toi. Ra's al Ghul. Tu as laissé faire ce blasphème, ce sacrilège. Tu pensais pouvoir me le cacher? Ta poudre aux yeux n'exemptera pas Gotham de son jugement. Trop tard. Cette ville reste sous ma protection. C'est moi qui vais t'achever.
Tu seras mort avant qu'il n'arrive. Ta précieuse famille. Je les égorgerai tous. Et une fois qu'ils auront tous succombé, je réduirai cette ville en cendres. Ça n'arrivera pas. Gotham leur appartient désormais. Si vous regardez ça, c'est que je suis mort. Ceci est un code noir. Ce message s'est envoyé automatiquement quand j'ai détruit la Batcave et tout ce qu'elle contenait. Je sais que ce qui vous attend n'est pas simple. Gotham ne tarderont pas à comprendre que Batman a disparu. Ne comptez pas sur le GCPD. Ils n'ont plus confiance depuis la mort de Jim. Permission d'attaquer. Je vous laisse le beffroi comme quartier général. Le matériel n'est plus de première jeunesse, mais vous trouverez de l'équipement et mes dossiers. Beaucoup d'entre vous connaissez Bruce à travers la rubrique People. Un milliardaire charmant et souriant. C'est ce qu'il était. Mais c'était plus qu'une célébrité. C'était mon neveu. C'était un ami, un mentor et un bienfaiteur pour nous tous qui sommes réunis ici aujourd'hui. Et à ceux qui ne le connaissaient pas aussi bien que nous, je veux dire ceci. Bruce était Gotham. Il aimait cette ville plus que tout au monde. C'était un protecteur pour cette ville. Il travaillait sans relâche en coulisses pour faire régner la justice
et l'égalité. Il n'y a rien qu'il n'aurait refusé. Aucun projet qu'il n'aurait remis en question. Si c'était pour le bien de Gotham. Et en se souvenant de ça, on se remémore Bruce, tel qu'il était vraiment. Vous avez été là quand j'ai eu besoin de vous. Gotham est entre de bonnes mains. Bonne chance. Et adieu. Comment va Alfred ? Ben, à ton avis. Il a mis 3 ans à se décider à prendre des vacances et Bruce meurt. Il lui faut du temps. Il savait qu'aucun de nous n'était là. Pas vrai ? Et toi, alors ? T'as laissé Jacob Kane faire l'éloge funèbre. Il l'a proposé. Il pensait que ce serait plus simple pour nous qu'il s'en charge. C'est l'oncle de Bruce. Putain de discours. Toutes ces histoires de protecteurs qui travaillent en coulisses. Si seulement ils savaient. Catherine ne serait pas là si elle se doutait d'un truc. J'ai un peu de mal à imaginer la commissaire anti-justicier présider les funérailles de Batman. Il y a autre chose qu'elle ne sait pas. Elle a le corps du meurtrier de Batman dans sa morgue. Ra's al Ghul est inscrit en tant qu'anonyme, prêt pour sa crémation. Et si la Ligue des Ombres le trouvait ? Si elle dépose son chef dans un puits de Lazare, il sera plus si mort que ça. Si tu veux t'introduire dans les locaux du GCPD sur une supposition, te gêne pas pour moi. J'ai déchiffré le dossier que Batman a envoyé avec son message. On devrait se concentrer là-dessus. J'ai tout analysé, mais j'ai bien tout ce qu'il fallait. On dirait qu'il manque une partie. Je crois que Ra's al Ghul l'a interrompu pendant qu'il écrivait. Il dit ça a des implications susceptibles de bouleverser tout Gotham. Inquiétant, mais pas vraiment utile. J'ai repéré quelques endroits à fouiller. Des chantiers, une carrière. Il a aussi parlé d'un docteur Langstrom. Vous le connaissez ? Il est zoologiste à l'université de Gotham. Mais je suis pas sûr de ce qu'il a à voir avec tout ça. On se répartit les tâches. On se retrouve au beffroi quand on a fini. Pour tout mettre en place. Qui veut parler à Langstrom ? Bien arrivé à Gotham U. Qu'est-ce qu'on sait sur ce professeur ? Kirk Langstrom. À en juger par le dossier à moitié rempli joint au code noir, Batman voulait tout savoir sur lui. Je vais reprendre là où Batman s'est arrêté. Ah.
réussi à identifier le type de la fac. Kirk Langstrom. D'accord. Je transmettrai en allant à la morgue. Langstrom est mort. Mais où se trouve son bureau? Il est mort? Ah, ça craint. D'après nos dossiers, son bureau est dans Moulton Hall, au troisième. D'accord. La terrasse du troisième est ouverte. Je vais pas me gêner. Enregistrement de bodycam. Voilà son bureau. On dirait que la police n'a pas fait grand-chose. Langstrom a dû être tué ailleurs. Ces traces ont l'air récentes. Quelque chose, Batgirl? Rien de mon côté. Notre professeur est bien mort. Je te ferai signe quand j'aurai trouvé la scène du crime. Bien. Enfin, non, pas vraiment, mais on a une piste. Le vrai défi va être de sortir d'ici sans que la police me voie. Bonne chance. C'est un vrai carnage. C'est ici qu'a dû mourir Langstrom. Les flics sont partis d'ici beaucoup trop vite. Langstrom devait être en train de bosser quand on l'a attaqué. Il a perdu beaucoup de sang. Il y a des traces de lutte, et puis l'agresseur l'a cloué au mur. Il s'est montré sans pitié. Langstrom était mourant, mais il a tenté d'atteindre ce meuble plutôt que la porte. Qu'est-ce qu'il a de si important? Une porte secrète. Qu'est-ce que vous cachiez, Docteur Langstrom?
Un thermostat serait l'endroit idéal pour cacher un pavé numérique. Un micro-ondes ? J'espère que Langstrom combinait pas des burritos avec des échantillons génétiques. Langstrom a peut-être programmé sa tablette pour qu'elle ouvre la porte. Langstrom voulait se souvenir de ses dates. Je vais faire pareil. Un poster de film dans un labo ? La date de sortie est peut-être importante. Un numéro de téléphone. C'est pas l'indicatif de Gotham. Ça peut être utile. Parfait. On va découvrir ce que Langstrom voulait à tout prix cacher. Langstrom, qu'est-ce que vous fabriquiez ici? Qu'est-ce que c'est que ce liquide? C'est peut-être ce qui lui a permis de transformer cette chose. Ce cher professeur avait un paquet de squelettes dans le placard. Le poste de travail de Langstrom. Je devrais y jeter un œil. Coucou, toi. Un disque dur. Je vais l'apporter au beffroi et on va découvrir vos petits secrets, Docteur Langstrom. Hey, je suis en chemin. Les flics ont loupé une tonne d'indices. Des traces bizarres sur les murs et ce qui semble être le labo secret de Langstrom. Espérons que le disque dur que j'ai trouvé nous en dira plus. J'ai hâte que tu me racontes tout ça. À tout de suite. Génial. Sur Gotham depuis que Batman n'est plus là. Les parias font savoir à tout le monde que ce quartier est à eux. Gotham doit savoir qu'on se soucie encore d'elle. Je vais m'en occuper.
Ah, ma tête. Deux officiers à terre. Ils ont été un peu malmenés. Je dois absolument maîtriser ces types avant que ça dégénère. De rester caché. Les fumettes montent à la tête, mon pote. On casse tout. On casse tout. On casse tout. Faites vos rêves. Allez, crame, sale gazon. On n'aura plus à te tondre. Qu'est-ce qu'ils fabriquent ici, ceux-là ? Ça ne va pas du tout. Le bâtiment va partir en flammes. Des otages. Je dois me dépêcher. C'est incroyable. Come on.
faire mal. Les pompiers et les secours arrivent. Ça va à toi? Je vais bien. J'ai hâte de rentrer et de décrypter ce disque dur. Je me dépêche. Bientôt un vrai citoyen de Gotham, clair. Quelque chose. Je vais rentrer au beffroi. Génial, ça fait une éternité que j'ai pas analysé des preuves. Top, t'as ramené le disque du labo de Langstrom. Est-ce qu'on a une piste sur ce qui a tué Langstrom?
Difficile à dire tant que ces ordinateurs ne fonctionnent pas, ou qu'on ne peut pas examiner le corps. Mais à mon humble avis, on a affaire à une personne, pas à une chose. Ça me rassure un peu, je crois. Quand on aura toutes les données, on pourra décider de la suite du programme. Je me casse. Je vais pas rester là à attendre. Attendre je sais pas quoi. On attend des données, Jason. Quand on les aura, on partira. Bouge. Je vais régler ça à ma façon. Fais pas ça! Il voulait qu'on résolve ça ensemble. Si tu le dis. Mais ça complique les choses pour rien, petit. Bon, eh ben, comme on est obligé d'attendre, on a qu'à jeter un œil aux infos que Bruce avait sur Langstrom. Ah, merde! Ça doit être le deuxième disjoncteur. Le principal a sauté il y a des mois, celui de secours devait tenir. Je m'en charge. Inutile. J'ai bricolé quelque chose qui devrait tenir un petit moment. Je suis content que vous soyez là, Alfred. Je serai toujours là si vous avez besoin, Maître Richard. Il en va de même pour chacun d'entre vous. Je suis content de vous voir. Moi aussi, Maître Tim. Cet endroit a besoin d'un rafraîchissement. Et merde, il y a des alertes partout, dans toute la ville. Cool. On va devoir suivre mon plan, alors. Attendez. Il nous faut quand même les données. Et Alfred ne peut pas vraiment préparer cet endroit tout seul. En effet, Mademoiselle Gordon. J'ai une liste de matériel à trouver. Je pourrais m'en charger seul, mais ce serait plus rapide avec de l'aide. On va se répartir les tâches. Comptez sur nous, Alfred. Finissons ce que Bruce a commencé. Tu crois que les parias pourraient être responsables du meurtre ? Les parias n'hésitent pas à tuer, mais c'est pas leur méthode. Je pense pas que c'était eux. Super, donc ça réduit les possibilités à tous les autres criminels de Gotham. Exactement. Thank you.